Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, depuis quelques jours, comme je vous disais dans la vidéo d'hier, ça parle beaucoup des rumeurs, des nouveaux commandants. Certains avaient vu un nouvel event, on l'avait déjà vu, hein, donc on va y revenir. Et donc pensaient qu'au reset, on allait avoir le gros patch ou du moins les nouveaux commandants. Ce n'est pas le cas. Regardez, ils ne sont toujours pas là. Alors peut-être vont-ils apparaître dans la matinée. Parfois, ça arrive, hein. Mais à mon avis, non, s'ils arriveront avec le gros patch, les commandants qu'on a vus hier. Alors on en sait un peu plus, hein, sur eux. On va aller voir les skills. Je vais vous les montrer plus tard dans la vidéo. Je vais aussi vous parler d'une rumeur et vous montrer sur un nouveau commandant épique. Comme vous allez le voir. Mais avant toute chose, attardons-nous sur un screen qui a fait couler beaucoup d'encre et que vous m'avez posé beaucoup de questions. Je vous l'ai déjà montré hier, mais je souhaite vous le remontrer aujourd'hui. C'est ce screen-là, ce screen qui traîne sur le nouvel âge et les nouvelles troupes T6. Je vous le redis, ce screen est un gros fake. Alors, il y aura peut-être un nouvel âge qui sera l'âge impérial. Il y aura peut-être les T6, même sûrement un jour les T6. Mais en tout cas, celui-là, en l'état, en est un. Je vous avais montré il y a quelques semaines déjà ce screen-là avec le bandeau des T6. L'icône des T6 est photoshopée. C'est l'icône des T4 avec un fond rouge qui est assez grossier si on regarde bien sur celui-là surtout. Et le 6 est juste l'inversion de la pastille du 4, hein, pour avoir exactement la même police. Donc ne vous fiez pas à cette rumeur-là. C'est un gros fake, même si ça peut être vrai, bien évidemment, que les T6 arrivent. Ce screen-là, en tout cas, lui est faux. Allons voir, comme prévu, les amis, à présent, le nouvel event. Alors, au départ, j'étais sceptique, mais c'est vrai que c'est un event sympa. On l'avait déjà eu, comme je vous l'ai dit. Donc, déjà, au niveau du calendrier, il n'y a rien de particulier à part la balade de Yann, comme je vous l'avais dit hier. Et donc, on a Illumination et Festival Pyrotechnique. C'est étonnant d'avoir cet event-là, qui est plutôt un event qu'on a lorsqu'il y a un patch, comme je vous le disais. Donc, Festival Pyrotechnique, c'est vraiment un event qui est... Il n'est pas très utile en tant qu'event, mais les récompenses et la récompense principale. Et d'ailleurs, sympa, on a un pack qui va avec. Hein. Donc, illumination pour obtenir des fusées de feu d'artifice, aide d'alliance, fort barbare, achat de poste messagerie. Alors, évidemment, hein, je vous conseille aide d'alliance et fort barbare et achat en poste de messagerie, bien évidemment. L'aide d'alliance avec une petite stratégie. Je vous conseille de quitter votre alliance et de faire la tournée de toutes les alliances qui sont en open, qui sont ouvertes directement. On en a plein sur tous les royaumes. Vous rentrez dedans, il y a toujours 50, 60, 70 aides en attente. Vous rentrez, vous les aidez et vous changez d'alliance. Je fais ça, par exemple, moi, pour le puzzle, pour avoir suffisamment de pièces sur mes comptes secondaires et pouvoir faire le puzzle et m'entraîner parce que j'adore cet event-là. Je fais souvent ça. Je quitte l'alliance, je vais dans une autre, je fais une autre qui est open, hein, qui est ouverte directement sans avoir besoin de la validation d'un R4. Et puis, ça me permet d'avoir des pièces comme ça. Et donc, Festival Pyrotechnique, une fois qu'on a claqué, donc vous le voyez, quand vous ramassez vos petits feux d'artifice, vous êtes dans votre équipement, vous faites utiliser. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a un reward tout de suite. Donc, ça, c'est toujours, toujours bon à prendre. Et puis, ça fait de la déco. Hein. Regardez, ouh, c'est super. Donc, ça, c'est pas très utile. Ça fait surtout ramer le serveur, à mon avis, quand plein le font. Et si en plus, on a des combats et qu'on est en KvK. Et donc, une fois qu'on l'a fait et qu'on est arrivé au maximum, donc il faut viser les 180, on a 5 jours pour ça. On a surtout 5 sculptures en or. Et si vous avez un petit peu trop d'argent et que vous voulez un petit peu gagner du temps, vous pouvez utiliser feu d'artifice éblouissant. Donc, c'est sûr que c'est un pack qui monte, hein, à mon avis. Donc, 5,49 €, vous avez 5 feux d'artifice. Est-ce que c'est un pack intéressant dans la mesure où ça vous permet d'aller chercher les 5 sculptures en or? Oui, il est intéressant. Donc, c'est simple. Si jamais à la fin de l'event, dans 4 jours, puisque on a 5 jours, dans 4 jours, vous n'êtes pas à 180 têtes, ce pack est intéressant à utiliser. Vous regardez le nombre de fusées qui vous manquent de feux d'artifice et vous en achetez suffisamment. En revanche, si vous avez suffisamment de fusées et donc vous avez atteint déjà sans acheter de pack, les 180 têtes, les 180 pardon, fusées, et donc que vous avez eu les 5 sculptures légendaires qui sont données sur cet event-là. Pas besoin d'acheter ce pack, il n'est pas intéressant. Donc c'est simple. Intéressant si vous n'atteignez pas le maximum dans 4 jours. Pas intéressant si vous l'avez atteint. Donc c'est très simple pour ce pack. Vaut mieux se rabattre sur d'autres packs. Le cas échéant ou attendre le pack événement, l'événement qui devrait avoir lieu dans le patch, si je dis pas de bêtises, c'est le 1039. Il devrait arriver sous peu. Alors ils peuvent faire une maj majeure et faire un 1-1 pour les 2 ans. On le verra bien. En tout cas, on attend impatiemment le prochain patch.
Les amis, revenons sur les commandants légendaires avant de parler du commandant épique, puisqu'on en sait plus notamment sur leur skill. Donc regardez, on sait même leur nom. Le premier commandant est un commandant nordique, comme on l'a vu hier, hein, et son nom c'est Harald Sigurdsson, un peu dur à dire. Hein. Ça a été, on le voit, hein, ça vient cette source-là de rockguide.ru. Et donc, Harald a plusieurs skills. Hein. Son premier skill est un skill qui s'appelle Berserk. Pas étonnant, hein. Quand on voit le mec qu'il a un skill Berserk, ça va étonner personne. Donc, ça augmente les dommages quand il n'est pas, regardez, quand il n'est pas entouré. Donc, c'est important à lire. Hein. Donc, voilà, il inflige plus de dommages directs. On voit avec un pourcentage et on le voit, ça va jusqu'à 3 cibles. Donc, c'est intéressant. Un skill classique pour de l'infanterie. Alors, il faut aller sur le second screen pour voir les autres skills de notre ami Harald. Il a aussi Viking. Donc, on voyait, hein, on se disait que c'était un commandant viking. Effectivement, c'est un commandant viking. Il n'y a pas que le skin qui nous le dit, puisque le skill aussi est un skill viking. Viking Battle Axe. Alors, à mon avis, il manque un E. Donc, un skill d'infanterie hein, sur quand il attaque une forteresse. Bon, c'est un skill donc qui peut être sur les attaques de ville. On va voir ce qu'il vaut, hein, s'il est aussi fort qu'Attila Takeda. On a aussi Varagian Guard. Donc, Infanterie Under the Command, donc aucun doute, on est bien sur des skills d'infanterie encore là sur un skill passif avec un effet qui The Last Effect Last 8 Seconds, blablabla, ça peut se stacker plusieurs fois cet effet-là. Et le dernier est Stanford Bridge avant l'expertise, bien évidemment, qui nous fait quand Harald et ses troupes sont sur la carte et reçoivent des dommages, le commandant a une chance d'activer un skill qui va lui donner une immunité à toute réduction de défense. C'est un skill intéressant. Ça aussi, surtout sur de l'infanterie, puisque l'infanterie reste quand même une classe très très solide. Donc en plus, s'il a ce skill qui se déclenche, ça va être très sympa à voir, à tester évidemment, voir s'il est cheaté à la Attila Takeda. Parce que ça fait longtemps qu'on attend un très bon commandant infanterie bien cheaté, même si on a le duo Gwan-Alex par exemple qui est bien solide. Et l'expertise, hein, la Vaalia Expert Skill, qui augmente le skill le premier skill, le skill Berserk. Donc ça, c'est pour notre ami Harald. On a aussi la même chose hein, pour le second commandant que je vous ai montré hier, qui est aussi un commandant infanterie, donc qui s'appelle Zenobia. Donc Zenobia, je n'ai aucune idée d'où vient ce nom et si c'est bien, parce qu'on dirait soit un Mexicain, enfin on dirait Mexicain, Inca, donc on dirait vraiment un skin d'Amérique du Sud. Là, on n'a pas de confirmation puisqu'ils ne vont pas nous dire Viking hein, ou ils ne vont pas nous dire Mexicain ou Inca. Donc, Queen of Palmyra. Alors peut-être que Palmyra, c'est une indication. Je n'en sais rien si vous le savez d'ailleurs. Mettez-le moi en commentaire, c'est intéressant. Donc, blablabla, ça heal l'alliance. Donc c'est un skill sur un tour de heal, si je comprends bien et que je dis pas de bêtises. Ouais, un petit skill de heal. Donc ça laisse penser que notre ami le Viking serait, on le mettrait en principal et Zenobia, ça serait un commandant secondaire. Donc Zenobia devrait normalement être au MGE et notre ami Harald devrait être dans la roue de la chance puisque c'est comme ça. Normalement, il n'y a qu'une fois que ça arrive à l'inverse, je crois que c'est pour Attila Takeda. Mais normalement, commandant principal, il est à la roue, commandant secondaire, il est au MGE. Deuxième skill, le désir des règles. C'est comme ça que je le traduis. Hein. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est faux? Bon, on ne le saura jamais. Zenobia Infanterie, encore un bonus de vie, de soins. Donc ça confirme hein, quand même que de mon point de vue, ça reste un commandant secondaire. Ensuite, Peerless Beauté, Zenobia Ken Commando Garrison. Donc un commande, c'est quand on le met en garnison. Donc on est bien sur de la défense. Donc on a du heal, de la garnison. Et le dernier, les règles de l'homme. Super, comme si les mecs, ils s'en mettent. Pour trouver des noms de skills parce que là franchement il est un peu tout naze.
Quand elle est encore en garnison, donc vous voyez, on a deux skills qui sont liés à la garnison, c'est intéressant ça. Donc ça inflige des dommages supplémentaires, etc. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un bon commandant. Est-ce que ça va être le nouveau binôme avec Théodora? À voir hein, si Zenobia Théodora, ça va piquer ou si ça va être avec quelqu'un d'autre. L'expertise, donc le kill expertise, c'est pour le premier hein, reine de Palmyra. Ça augmente le pourcentage et le multiplicateur de soins et elle soigne les alliés autour. Hein, donc un skill classique de soins. Très sympa en tout cas en commandant secondaire. Ça a l'air très sympa. On verra bien ce que ça donne. Moi je suis impatient de le tester en tout cas et j'espère qu'ils vont être bien costauds puisque vous le savez j'ai un gros stock de sculptures et j'aimerais bien le claquer sur eux le cas échéant puisque je ne les claque pas actuellement ni sur Guillaume ni sur Chandra. Pour le commandant épique à présent, les amis. Alors là, je vous mets un méga disclaimer. C'est de la méga rumeur. Je vais vous montrer deux designs. L'un est issu, bien évidemment, il n'est pas issu du jeu. L'autre est issu apparemment du jeu. Mais certains disent que c'est du fake. Alors l'un des deux, je crois, il vient de Final Fantasy. Alors je vous montre ce premier screen qu'on voit d'un premier commandant avec sa petite grenade à la main. Il s'agirait donc d'un commandant, on n'en sait pas beaucoup sur ce commandant-là. Donc je vous parle de l'image du haut, hein, le commandant avec une robe violette hein, et pas mauve. Donc ça serait un commandant pour récolter, de récolte, hein, un commandant de récolte épique qui arriverait dans le jeu à la prochaine mage. Le skin d'en dessous, donc je vais vous le montrer un petit peu en plus grand. Donc le skin d'en dessous, celui-là serait d'inspiration pour le premier. Certains disent qu'ils se sont inspirés pour faire ce commandant, pour faire ce commandant épique de récolte. Certains disent que Lilith se sont inspirés du commandant de Final Fantasy. Je ne connais pas hein, le personnage de Final Fantasy en dessous, mais en tout cas, le skin du haut, pour moi, c'est pas du fake. Hein. On reconnaît bien là le skin du jeu. En plus, bon, le logo Rock a été rajouté, peut avoir été rajouté, mais en tout cas, le skin est très crédible. Si ça a été fait par un joueur, c'est vraiment très crédible. Il est très bien fait. Malheureusement, ça serait un commandant de récolte. Certains ont dit que c'était un commandant de soutien et pas un commandant de récolte, mais on n'a vraiment aucune autre info. Alors moi au moment où je recorde hein, il est 7h le mercredi 30, j'ai pas d'infos supplémentaires là-dessus et je n'en ai pas vu qui sont encore sortis. On ne connaît ni son nom ni la garantie que ce soit un commandant épique, mais la rumeur comme quoi il est épique est quand même très forte. Et donc la dernière rumeur, c'est soit commandant de récolte, celle qu'on voit le plus souvent, soit un commandant de soutien. Donc vraiment, voilà, là on a fait le tour de toutes les rumeurs, on a vu les skills. Je pense vraiment que la 1.0.39, le prochain patch, va nous apporter beaucoup de choses. J'ai lu beaucoup de spéculations aussi sur la nouvelle map du KVK que je vous ai montré hier. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Ça va être difficile d'avoir plus d'infos. On en a quand même eu beaucoup. Là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de leaks avant une mise à jour. Je n'ai aucune idée d'où viennent toutes ces sources, d'où elles ont été récupérées. Mais en tout cas, ça se précise et de plus en plus de personnes en récupèrent. Et je vois des scripts qui sont légèrement différents. Donc forcément, il y a différentes sources pour ce leak. On va aller voir un nouveau KVK à présent. Maintenant qu'on a fait le tour des rumeurs, les amis, on va aller voir un nouveau KVK. Alors quand je dis nouveau KVK, il n'est pas nouveau. On a déjà été le voir. On va refaire un saut sur notre fil rouge, le KVK 86. On va voir si ça a bougé déjà dans un premier temps. Tac! Donc retour sur le KVK 86 puisque malheureusement ils étaient passés, je crois que c'est les rouges qui étaient passés en 1 contre 5 et donc ils s'étaient fait repousser. Donc à mon avis sur le KVK 86, sauf surprise, notre fil rouge, les choses se sont tassées hein, en regardant Dimbroco, ouais c'est bien le cas, le sien c'était le sien, s'est fait repousser. Donc le KVK 86 s'est plié, là malheureusement ça va difficilement bouger davantage à présent, sauf surprise, hein, n'hésitez pas à me dire si vous êtes sur le champ, j'ai un ami sur le champ et quelques abonnés, donc n'hésitez pas à me dire en off si vous avez prévu de pousser, mais là ça me paraît compromis malheureusement à ce stade pour vous, d'un autre côté à 1 contre 5 ça commence à être difficile.
On va donc se pencher sur le KVK. On va reprendre notre série, hein, puisqu'on s'est arrêté. On fait le petit jump de tous ceux qui ne sont pas encore en combat, hein, comme je vous voyais, 99, 100, etc. Pour nous rendre sur le 114, qui est à 30 jours, 5 heures. 114, premier KVK du 1905 au 1912. Donc, quand c'est comme ça, le matchmaking n'est pas fait. Et en général, il y en a un toujours qui est très fort et qui écrase les autres. Et parfois, on se retrouve avec deux très forts qui ne sont pas ensemble. Donc, on se retrouve en haut à droite, comme d'habitude, les amis. On le voit, le violet a tout conquis. Donc, le violet, comme je vous le disais, il y en a un qui est souvent plus fort que les autres. Et on le voit là, c'est le violet, puisqu'avec l'ouverture des portes de niveau 5, le violet qui est, regardez, le violet, il est en bas, en San Pedro. Il a pris toute la zone sans caca et il a bloqué le bleu. Il a bloqué le rose. Il a pris au curry. Hop là, il a été bloqué le cyan. Donc le violet, juste au passage, hein, et il est en train de déboîter le rouge. Le violet, au passage, il bloque 1, 2, 3, 4 royaumes. Au calme, tranquille, à lui tout seul, il bloque 4 royaumes. De l'autre côté, donc il est avec son allié le jaune. Le jaune, lui, je vous disais, il paraissait très fort aussi lorsque vous avez fait la première chronique sur ce royaume-là. Le jaune, il est solide sur le terrain, mais bien moins que le violet, bien moins étendu. Le violet est dans 3 zones de niveau 5. Donc à mon avis, c'est eux qui vont avoir la ziggourat. Ils ont Macha, ils ont Okuri. Et regardez, hein, en Okuri et en Macha, le violet est tout seul. Hein. Donc c'est vraiment ces zones, son terrain de jeu. Et en Dimbroco, il s'éclate tranquille. Le vert aussi bien étendu. Donc on a quand même 3 gros royaumes qui ont l'air, trois plus gros royaumes, le jaune, le violet et le vert qui ont l'air de s'être réunis. Et là après, il y a le plus petit orange qui est complètement bloqué au milieu de tout ça. Donc là, ce KVK-là, il a l'air aussi plié. Je pense qu'on est en 5 versus 3, parce que je vois pas qui serait la couleur. On aurait le violet, le jaune, ouais, le violet, le jaune et le vert contre tous les autres. Et je parierais que le violet sera celui qui va avoir la grande ziggourat. C'est ce qu'il y a de plus crédible en tout cas. Donc sur ce 114-là, pas de surprise. Si vous êtes sur l'un de ces royaumes, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Ah non, on a le rose aussi avec eux, mais le rose est plus discret. Et pourtant, attendez, est-ce qu'il a essayé de sortir le rose? Il est placé où? Il est là, ouais, donc il a essayé de faire une sortie. Mais à mon avis, le rose, il va avoir quelques soucis ici. Il va se faire taper dessus. Sa forteresse ne va pas durer encore longtemps, sauf s'il y a eu un accord par la suite qui a été fait pour lui laisser un petit bout de terrain. Mais quand on domine comme ça, je ne vois pas quel serait leur intérêt de faire ça à part une future alliance. Donc voilà, si vous êtes sur l'un de ces royaumes, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. Mais le 114 me paraît donc plié aussi. Et ce royaume, hein, le 87, le 1987, c'est bien ça. Hein. C'est le 1980. Non, ce n'est pas le 1987. Ça ne peut pas être le 1987. C'est le numéro combien celui-là? C'est le serveur 1910. Le 1910 a l'air d'être un serveur très puissant, donc à suivre ce serveur dans les jeunes serveurs. On continuera les chroniques et d'aller voir les autres royaumes avant l'ouverture des niveaux 6. Ça va dépendre de l'actualité aussi, les amis. Sachant que, en parlant d'actualité, vous l'avez vu hier, il me semble, on a eu le pop de. Allez, va dans la ligue. Hop là, il veut pas y aller, donc on va y essayer d'y aller par là. Hop là. Non, il ne veut pas y aller, donc vous voyez, parfois quand ça bug comme ça, j'ai tout simplement envie de prendre, voilà, ça apparaît, j'ai envie de prendre ma tablette et l'acheter dans un mur, et vous voyez, ça repop plusieurs fois, comme si je l'avais lancé plusieurs fois. Et dans les événements, regardez, on a œil pour le talent et mise de ligue, ça ouvre, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, dans 4 jours 18h, donc dans 4 jours 18h, on va rusher et on va aller parier pour se blinder d'Auric. Vraiment là, comme la saison 1 et la saison 2, je vous le rappelle, en saison 1 et saison 2, on a eu des déconvenues, on a perdu beaucoup, mais à la fin, on s'est toujours refait un max de Auric et on a toujours réussi, pour tous ceux qui ont suivi à 100% mes paris, on a toujours réussi à vider complètement le magasin. Alors, je vous le rappelle, on va sûrement perdre gros par moment. Mais en général, donc les deux fois précédentes, quand je dis en général, on s'est refait et on était au maximum, ce qui nous a permis d'avoir toutes les sculptures et tous les items du magasin. Voilà, écoutez les amis, pour les events à venir, je pense qu'on va avoir une annonce, hein, vraiment cette semaine. Je vous l'ai dit pareil la semaine dernière, je vais vous le dire toutes les semaines maintenant parce qu'on est très proche de l'annonce. Je pense qu'on va avoir également le plus que des gemmes qui va pop. Il aurait dû déjà pop, donc là, on est très proche du pop des plus que des gemmes. Ah, on a la roue de la chance, j'ai pas fait mon lancer à 50%. D'ailleurs, là, allez, on va le faire tout de suite comme ça sera plié. Si je pouvais avoir un petit 8 têtes comme avec mon tour gratuit, ce serait la fête. Une tête, c'est pas mal, c'est pas mal. 400 gemmes, une tête, je vais pas me plaindre. En ce moment-là, sur ces tirages-là, je suis moins poissard que d'habitude, vous remarquerez.
Les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça me fait vraiment énormément plaisir et surtout, 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 ça aide également beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément. Et si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.